Bonjour, je suis Pascale Prudhomme et je fais partie d'une équipe qui a dressé un portrait sur le travail et la santé et la sécurité du travail chez les jeunes de 15 ans au Québec. J'ai reçu quelques questions à propos de cette recherche. Bonjour Pascale, pourquoi avoir dressé un portrait du travail et de la santé sécurité chez les jeunes de 15 ans? Depuis la fin des années 90, on observe une augmentation de la participation des jeunes étudiants de 15-19 ans sur le marché du travail. Mais on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de données qui nous permettaient de faire un portrait complet, un portrait statistique complet sur l'emploi et la santé et la sécurité du travail. Donc, en 2013, l'IRSST s'est joint à titre de partenaire à l'étude longitudinale du développement de l'enfant du Québec, qui est une enquête qui est pilotée par l'Institut de la statistique du Québec. Ce partenariat nous a permis d'ajouter plusieurs questions sur l'emploi et la santé et la sécurité du travail chez les jeunes. Quelle est la proportion de jeunes de 15 ans qui travaillent? On observe 41 % de jeunes de 15 ans qui occupaient un emploi à un moment ou à un autre durant l'année scolaire. De ces 41 %-là, on a observé que 70 % de ces jeunes-là occupaient également un emploi au cours du mois qui a précédé l'enquête. Il faut mentionner également que les jeunes occupent différents types d'emplois durant l'année scolaire. Une certaine proportion va occuper des emplois un peu moins formels, mais rémunérés, comme par exemple le gardiennage ou l'entretien de terrain. Mais une forte proportion vont quand même occuper des emplois rémunérés pour un employeur ou pour l'entreprise familiale. Pascale, pourrais-tu nous expliquer pourquoi ces jeunes travaillent? La principale raison pour laquelle les jeunes occupent un emploi, c'est d'accroître leur autonomie financière. Mais on a observé également d'autres raisons qui motivaient les jeunes à occuper un emploi, qui sont plutôt en lien avec le développement social du jeune, comme par exemple acquérir de l'expérience de travail ou encore augmenter les responsabilités. Pascale, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes de 15 ans qui se blessent au travail? Environ 20 % des jeunes qui occupaient un emploi au cours du mois précédant l'enquête se sont blessés ou ont failli l'être dans leur milieu de travail. Avez-vous déterminé des pistes d'intervention? Dans notre étude, plusieurs pistes d'intervention sont soulignées qui s'adressent aux élèves, aux parents, mais aussi aux intervenants en SST et aux employeurs. Pour en savoir davantage sur les résultats de cette étude, je vous invite à consulter le site Web de l'IRSST.